Dassault Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Merci de nous suivre et de nous faire confiance, comme vous le faites régulièrement depuis quelques années maintenant, depuis la fondation de notre établissement de 2013. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre principe de transparence, être capable de tout dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Voilà, quel est l'objectif de cette chaîne, la chaîne YouTube de notre établissement. Voilà, donc ici on est sur une Renault Mégane 3 et on va vous montrer l'évolution par rapport aux anciens moteurs, aux anciennes versions, notamment au niveau du filtre à huile, ça peut intéresser par ailleurs les particuliers. Voilà, le filtre à huile qui est bien mieux accessible aujourd'hui sur les versions 3, Mégane 3. Puisqu'il est juste ici, vous voyez la coupole en plastique, un petit peu comme sur les modèles PSA, Peugeot Citroën, voilà. Quant au bouchon de vidange, il évolue un petit peu, mais bon, voilà, rien d'extraordinaire, ça reste un bouchon de vidange avec un joint. Voilà, donc on vient de remplacer le joint neuf, puisqu'on a fait on est en train de terminer la révision complète constructeur, selon les normes et les préconisations de celui-ci, voilà. Donc ici, clé de 27, rien d'extraordinaire, douille de 27, petite rallonge, cliquez, on dessert, on remplace et on resserre, on remet en place. Voilà, rien d'extraordinaire. Pour le bouchon, c'est une empreinte de 19, clé plate, voilà. Alors qu'avant, on avait le filtre à huile ici, qui était positionné tout en haut, au milieu du moteur, et avec une difficulté plus qu'évidente pour remplacer donc, ce dernier, hein, le filtre à huile. Et enfin, j'ai envie de dire, enfin, Renault a compris qu'il fallait devenir intelligent, notamment au niveau de l'infrastructure de leur moteur, etc. Il était temps. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Donc après, le filtre à carburant, pour ceux qui souhaitent savoir, il est sur le côté, il est juste ici, voilà, dans le pare-boue, côté passager, donc côté droit. Voilà, ici, juste là. Donc nous, on va déposer le pare-boue, ici, clac, pour remplacer tout simplement le filtre à carburant, comme l'ensemble des filtres, puisque c'est l'objectif de cette révision, la révision complète constructeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Rien d'extraordinaire. Après, on a aussi le berceau qui a légèrement évolué. Bon, ben, bref, peu importe, ça c'est du détail. Pour ceux qui veulent savoir, le filtre à particules, ben le voilà, tout simplement. Donc là, on a une espèce de tôle de protection qui est à moitié flinguée. Peu importe, c'est pas très grave. Donc ici, on a les durites pour la pression différentielle qui nous amène quelque part par ici vers le capteur. Voilà, le voilà, il est juste au-dessus, là, je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est juste là-haut. Capteur pression différentielle pour mesurer la pression différentielle. Donc là, on a une durite. Et la deuxième, elle doit être de l'autre côté. Voilà, ici. Tac. Non, ça, c'est là, le capteur température. Donc, on a celle-là, là. Et l'autre, elle doit être un petit peu plus haut. À moins que sur le modèle-là, on n'en a qu'une, juste pour la référence pression. Ouais, ce qui est le cas. C'est assez rare, mais on voit aussi ce phénomène sur les BMW. Bon, peu importe. Voilà. Comme ça, vous aurez vu au moins comment que c'est fait un filtre particule. Voilà, filtre à particules, bah, c'est ni plus ni moins qu'une gamelle, voilà. Avec ici un capteur température échappement. Et puis ici une durite pour la pression différentielle. Voilà, qui nous emmène, comme on l'a dit tout à l'heure, vers le capteur pression différentielle échappement pour donner la mesure pour l'information pour le calculateur d'injection, tout simplement. Voilà. Donc comme on le rappelle, l'objectif de la chaîne, c'est vraiment de montrer par mesure de transparence ce qu'on fait au quotidien. Voilà, c'est pas le but n'est pas forcément, je dis forcément, d'informer les particuliers, voilà. Donc voilà, le but, nous on est inscrit dans une stratégie de transparence, notamment avec le réseau Plus que Pro dont nous sommes membres. C'est le réseau qui sélectionne les meilleures entreprises de France. Donc on en est fier d'être l'une des entreprises les mieux notées, pour ne pas dire ainsi dire la mieux notée. Voilà, il paraît que ça se dit pas, bon ben voilà. Mais voilà, le but pour nous, c'est satisfaire les clients du matin jusqu'au soir, rien de plus. Merci à tous, c'était Dassault Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur.